Il s'agit d'une mission à réaliser
de façon solidaire et non pas de façon solidaire. On n'est jamais prêt de tout seul. Pour cela, il faut une bonne dose d'humilité, de compréhension, de sagesse, de responsabilité, de respect réciproque, de sens de l'Église et de disponibilité à l'accueil de l'Esprit de Dieu pour aller de l'avant. C'est à juste titre que le pape Benoît XVI met en exergue deux conditions pour réaliser efficacement cette mission. Accepter d'être sous la conduite de l'Esprit Saint et former un seul corps tout en étant conscient de la diversité du ministère, de la diversité des dons spirituels, de la diversité d'opérations, et il faut y ajouter aussi la diversité de caractère des uns et des autres. Chers frères, la différence de nos âges, la différence de nos niveaux de formation, certains sont diplômés au-delà du bac académique, la différence de nos provenances géographiques, ethniques ou tribales, la différence de nos vues ou visions sur certaines thématiques pastorales, la différence de nos caractères ou tempéraments, et j'en passe, ne doit en aucune manière être des obstacles à la formation de ce corps presbytéral dont l'Église de Brazzaville a besoin pour la propagation de l'Évangile en vue du bien commun spirituel, de la paix, de la réconciliation et de la justice dont notre Église et notre société ont besoin. Car comment pourrions-nous annoncer la bonne nouvelle aux âmes, aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits, consoler tous ceux qui sont en deuil, si nous-mêmes, nous ne donnons pas de l'ordre dans nos vies et de la prévoyance dans nos relations interpersonnelles? Si nous ne prions pas assez, ou si nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes réellement, Isaïe est ici. Vous serez appelés pour prêtre du Seigneur. On vous dira c'est bon de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. C'est parce que nous sommes conscients de la profondeur de ces mots. De cette identité, peuple de prêtre, peuple de roi, assemblée des saints. Prenons donc la part de responsabilité qui nous revient dans la mission de ce Dieu. D'ailleurs, le pape François abonde dans le même sens que son prédécesseur, le pape Benoît XVI, qui nous guide dans cette méditation. En effet, dans sa dernière lettre encyclique, Fratelli Tutti, le pape François, s'inspirant, comme il le montre lui-même, de Saint François d'Assise, croire à un amour fraternel qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il nous propose comme modèle de cette dynamique de l'amour Saint François d'Assise. Ainsi, il a été un père fécond qui a désiré le rêve d'une société fraternelle. Car
seul l'homme qui ne l'accepte de rejoindre d'autres êtres dans leur mouvement d'homme, non pour les tenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père. Ça a été tout dit, numéro 4. Dans notre volonté de consolider le corps libéral, chacun doit y trouver sa place. Cela sera pour nous la clé de réussite d'une société juste, pacifique et réconciliée que nous sommes appelés à promouvoir. Car si nous-mêmes, au sein de l'Église, nul d'expliquer n'est pas possible de promouvoir et de vivre cet amour fraternel que nous enseignons aux autres, notre travail pastoral pourrait souffrir d'un déficit grave d'inefficacité à cause du manque de témoignages réels et contagieux. C'est pourquoi il nous faut éviter les épreuves comme exclure qui que ce soit dans cette œuvre de reconquête et de consolidation de notre être ensemble. Le pape François nous rappelle aussi lorsqu'il dit « Face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, que nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se comprend pas au mot. J'aimerais insister sur le travail en équipe, sur la reconnaissance et l'appréciation positive des qualités, des compétences, des talents des uns et des autres, qui au même temps sont à respecter et à faire éclore sans esprit de concurrence, de domination, de dédain ou de jalousie. Bien au contraire, tous ensemble, voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une vraie aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière différente. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble, seul, on risque d'avoir des miracles par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. C'est pas que François Fraguet et tout le numéro 8. Puisse la très sainte Vierge Marie, à qui le Christ nous a confié au pied de la croix, intercéder pour nous auprès de son Fils, afin que nous soyons des prêtres selon le cœur de Dieu et des servants de Dieu désintéressés et guidés seulement par le salut des hommes et la plus grande gloire de Dieu. Amen.